Voici une tâche sans réponse préformulée. Des drones volent en formation triangulaire, tel que le premier drone est suivi de deux drones qui sont suivis de trois drones, etc. Vous voyez passer une formation de six drones, puis une deuxième formation qui rejoint la première et fusionne avec elle pour constituer une formation complète. Question. Combien de drones se trouvent ainsi réunis? Au départ, nous avons cette formation triangulaire de six drones à laquelle vient s'ajouter une deuxième formation triangulaire. Les possibilités sont un seul drone, trois drones, six drones, dix drones, etc. Ces nombres s'appellent des nombres triangulaires. Si à ces six drones vient s'ajouter un seul drone, nous obtenons sept drones en tout, qui n'est pas un nombre triangulaire. 6 plus 3 drones, ça fait 9 drones, et 9 n'est pas un nombre triangulaire. 6 plus 6, ça donne 12, qui n'est pas triangulaire. 6 plus 10, c'est 16, et 16 n'est pas triangulaire. Mais 6 plus 15, ça donne 21, et 21 est bien un nombre triangulaire. Donc, à ces six drones viennent s'ajouter ces 15 drones-là pour finalement constituer une formation triangulaire complète. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 21. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.